À tous, avec l'aide de Dieu, on va faire une lettre de Rabbi Nathan, mais avant ça, je voudrais continuer. La semaine dernière, on avait parlé des Tehillim, si vous vous rappelez, avec l'histoire du roi qui est parti chasser en forêt, et on avait parlé de qu'il allait avoir un torrent d'hérésie, de révolte contre Dieu, où les gens ils vont tomber, où ils vont perdre complètement leur foi, et que ce déluge, il allait tomber, et qu'il allait recouvrir la terre, et que même ceux qui sont très proches de Dieu, ils allaient être atteints par ce déluge, et que le seul remède, c'était de faire des Tehillim, parce qu'il fallait se sauver de la logique, puisque à partir du moment où on commence à réfléchir logiquement,
alors automatiquement on va être atteint par ce poison qui est le déluge. Et donc on avait expliqué que le Tehilim, c'est ça, comme Rabbi Nachman y raconte dans cette histoire, que finalement c'est les simples diseurs de Tehilim, de psaumes de David, qui vont, grâce à ça, qui vont couronner le Messie. Alors, je voudrais un petit peu agrémenter et continuer un petit peu sur cette idée du Tehilim et raconter une histoire du Baal Shem Tov. On sait que le Baal Shem Tov, il touchait énormément de gens. Il avait bien entendu des élèves qui étaient très proches de lui et qui étaient éminemment grands. C'était tous des justes, tous ses élèves. Et puis aussi, il avait un contact avec la foule, c'est-à-dire avec des gens qui étaient très très éloignés, des gens très simples, qui étaient ou puiseurs d'eau ou vraiment des paysans qui étaient très très loin. Et le vendredi soir, il accueillait tous ces gens qui étaient simples, peu importe qui c'est qui venait. Et puis vraiment, il se mêlait à la foule dans la mesure où il partageait son pain, il partageait son repas, et avec des chants, avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de cœur. Il descendait très très très, comme on dit, il descendait très très bas au niveau de tous les gens qui étaient autour de lui. Et les élèves, pour dire, ils ne comprenaient pas trop pourquoi le Baal Shem Tov avait cette proximité avec ces gens qui étaient très très simples. Ils ne comprenaient pas, ils avaient cette question dans leur esprit. Et le Shabbat midi, le deuxième repas de Shabbat, on sait que le Baal Shem Tov le faisait avec ses proches élèves. Et les gens simples, le Shabbat matin, eux, ils se mettaient dans une pièce et ils disaient des psaumes. Ils disaient des psaumes. Et donc, quand le Baal Shem Tov, il était avec tous ses élèves dans le deuxième repas de Shabbat, il leur a demandé, il savait très bien, le Baal Shem Tov, quelle était la question qu'ils avaient dans leur esprit, à savoir, qu'est-ce que le Baal Shem Tov fait avec ces gens aussi simples? Ils ne comprenaient pas. Et le Baal Shem Tov, donc, savait par sa prophétie, il savait lire dans les pensées. Et donc, il leur a demandé que chacun prenne l'épaule de son voisin. Et donc, ils ont formé un cercle, puisqu'ils étaient tous autour d'une table. Et le Baal Shem Tov, il avait à sa droite et à sa gauche deux compagnons. Et lui aussi, il a fermé le cercle en prenant ses compagnons qui étaient à côté de lui. Et à ce moment-là, ils ont commencé à monter en extase, parce qu'ils étaient en train d'écouter une symphonie extraordinaire. Et ça montait, jusqu'à un moment où le Baal Shem Tov, il a été obligé d'enlever ses mains des gens qui étaient à côté de lui pour faire descendre cette ascension qui était fulgurante et extraordinaire. C'était vraiment de l'extase. Donc il les a fait descendre. Et il leur a dit, vous savez, vous avez entendu une symphonie extraordinaire dans le ciel. Sachez que cette symphonie, c'est le produit de la diction de ces gens qui sont simples et qui disent des psaumes avec leur cœur d'une manière tout à fait simple. C'est ça qui crée dans le ciel. Donc il leur a fait montrer dans un sens que vous pensiez peut-être que ces gens, ils n'avaient pas une grande valeur, mais voilà ce que dans le ciel, voilà le produit, voilà ce qui se passe dans le ciel, voilà cette symphonie extraordinaire. Donc ça, c'est une histoire. Après, on va rencontrer une autre histoire. Pour l'instant, on va lire une lettre de Rabbi Nathan, et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi ces Tehilim, ils ont un pouvoir tellement grand. Ok, on nous dit qu'il va y avoir un déluge, et que ces déluges-là, tout le monde va être touché, et que le remède, c'est Tehilim. Mais on va essayer de creuser, on va essayer ensemble de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi les Tehilim, ils ont un tel pouvoir? Alors, on va lire une lettre de Rabbi Nathan, et après, on va raconter, on va essayer de comprendre à travers cette lettre s'il y a un rapport avec le Tehilim, et de comprendre pourquoi les Tehilim, ils ont un tel pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a dans les Tehilim? Pourquoi ils agissent d'une façon que, à tel point que tout le monde sera contaminé par ce déluge, et que ce seront seulement ceux qui feront des Tehilim qui vont être sauvés de ce déluge d'hérésie et de révolte. Alors, Rabbi Nathan, il dit à son fils, « Maintenant, mon fils,
enrichis-toi de sagesse si tu veux me réjouir. Et même si on ne peut les comprendre que superficiellement, intéresse-toi aux allusions qui se trouvent dans l'océan de la connaissance. Quand il parle de l'océan de la connaissance, c'est-à-dire toutes les allusions qui se trouvent dans les enseignements et dans les livres de Rabbi Nachman. Il faut savoir qu'on l'avait expliqué une fois, c'est qu'il y a l'enseignement qu'on essaye de comprendre logiquement, mais en vérité il n'y a aucune logique parce que ce sont des enseignements qui viennent d'endroits qui sont très très élevés et qui sont au-dessus de la logique, donc il n'y a aucune logique. Et donc comme on essaye, en vérité ce qu'il faut essayer de comprendre, de capter, c'est les allusions qui sont à l'intérieur des enseignements de Rabbi Nachman et qui en fait ces allusions, ils sont faites, c'est comme des mains qui nous font des signes et qui en vérité qui sont spécialement pour nous, ça veut dire pour chacun de nous, particulièrement chacun avec son problème. Parce que là-bas ce qu'il va trouver, c'est que dans l'enseignement, il va trouver la solution à son problème qui est adaptée à son problème. C'est pas, si vous voulez, des solutions ou des conseils qui sont générales. Il y en a aussi. Mais si on creuse dans les enseignements de Rabbi Nachman, on va tomber, si vous voulez, sur l'allusion qui va nous concerner à nous par rapport au problème que nous, dans lequel nous sommes confrontés. Et donc, il est adapté à nous puisqu'il est que pour nous. Et donc, c'est ça qui veut dire que, en fait, c'est ça l'océan de la connaissance. Parce qu'il faut savoir que cet eau des séances, il est étendu, il est immense. Et là, où c'est qu'il est immense, cet océan, tellement grand, dans les endroits où fourmillent des êtres sans nombre. Ça veut dire que ça atteint la grande masse, ça arrive chez tout le monde. De plus, veille bien à ne te comporter comme un malchanceux. C'est-à-dire que maintenant, fais attention que maintenant, tu as la possibilité de t'enrichir par rapport à ces enseignements et de devenir quelqu'un d'expert qui va avoir de la vitalité dans sa vie. Et ne sois pas un malchanceux, c'est-à-dire, c'est comme si un malchanceux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se trouve devant un coffre-fort et qui a des richesses qui sont à portée de main et qui va pas... qu'il est à côté, il laisse le coffre-fort, voilà, il y a un moment où il va se fermer le coffre, mais il y a un temps donné où il doit prendre cette... et il passe à côté. Et donc, c'est pour ça qu'il dit « ne sois pas un malchanceux, à Dieu ne plaise ». Et même si tu es tel que tu te vois, il n'en reste pas moins qu'aux yeux de Dieu, chaque mouvement positif et chaque démarcation ou déplacement du mal vers le bien, c'est-à-dire tout ce qu'on fait pour pas tomber complètement, et que c'est-à-dire qu'on fait un effort pour s'arracher du mal, et faire même que c'est comme un cheveu pour aller vers le bien, même de l'épaisseur d'un cheveu, alors il faut savoir que ça revêt une valeur très précieuse aux yeux de Dieu. Et il lui dit, Rabbi Nathan, à son fils, de grâce, s'il te plaît, agis comme ce valeureux guerrier et serre autour de ta taille la ceinture du combattant. Car Dieu soit loué, nous avons sur qui nous appuyer. On a sur qui nous appuyer puisqu'il parle des enseignements de Rabbi Nachman, où dedans il y a c'est un puits de conseils, comme on a expliqué juste maintenant, juste avant, que ces conseils sont adaptés à chacun, pour tous les problèmes, peu importe les problèmes où la personne se trouve. Et donc, grâce à tout cela, le fait qu'on peut s'appuyer sur ces conseils et être sorti d'affaires, grâce à tout cela, tu peux commencer à chaque instant à dominer les mauvaises pensées pleines d'amertume. Donc, il y a des pensées qui attaquent l'homme qui sont des pensées d'amertume, qui t'importune continuellement. C'est-à-dire qu'on a des pensées d'amertume qui importunent la personne continuellement. Et que pourquoi? Il faut savoir que pourquoi elles ont une recrudescence, qu'elles s'attaquent, elles s'acharnent sur chacun.
Ça vient, c'est dû à cause de la tristesse et de la mélancolie. Quand une personne, elle tombe ou dans la tristesse ou dans la mélancolie, alors automatiquement, il va sortir de ça des pensées où la personne, elle va avoir des pensées d'amertume. C'est la conséquence. Et donc, il faut simplement passer au-dessus d'elle. C'est-à-dire que maintenant, c'est tellement humain, comme Rabbi Nathan il explique, c'est qu'en fait, c'est quelque chose de normal. Tu vas être confronté à ces pensées d'amertume, mais il faut passer au-dessus d'elles dans la mesure du possible et selon le cas. Et ne commence surtout pas à y penser, ne t'angoisse pas et ne le crains pas. Ça veut dire que pourquoi c'est merveilleux ce qu'il dit Rabbi Nathan? Parce qu'en fait, ça nous fait montrer que ces pensées-là, elles viennent de l'extérieur. Mais nous, on pense que c'est des pensées qui sont à l'intérieur de nous. Mais elles viennent dans l'extérieur justement pour nous déséquilibrer. Et à cause de la tristesse et la mélancolie, elle amène ces pensées-là. Et la personne, à cause de ça, elle est bloquée. Donc il lui dit, ne les crains pas, passe au-dessus d'elle. Rappelle-toi plutôt que notre maître, de mémoire bénie, a raconté sur le juste qui, avant de rendre l'âme, il a déclaré, il a parlé d'un tzaddik, d'un juste, qu'avant de partir de cette terre, il a dit, j'ai sauté par-dessus le monde. Ça veut dire qu'en fait, ce monde-là, ce qu'il nous explique, c'est que ce monde-là, c'est l'enfer. Et Rabbi Nachman, il le dit dans un autre enseignement. Il dit qu'en fait, on pense que on croit au monde futur, qu'il y a un monde futur, et on pense que ce monde-là, ça s'appelle ce monde-là. Mais en vérité, c'est pas ce monde-là. Il dit que ce monde-là, Rabbi Nachman, il dit que c'est l'enfer. Maintenant, qu'est-ce que ça change pour nous de savoir que ce monde, c'est l'enfer? Ça veut dire que maintenant, il faut passer au-dessus. Parce que si on s'attarde à tout ce qui se passe dans ce monde, il est fait que d'amertume. Donc, il faut passer au-dessus de ce monde. C'est quoi passer au-dessus de ce monde? C'est-à-dire qu'on va être attaqué par des pensées d'amertume et il faut passer au-dessus de ces pensées. Souviens-toi également que notre maître a affirmé en disant que l'homme doit franchir dans ce monde un pont très étroit. Et l'essentiel, c'est qu'il n'ait pas peur. D'accord? Donc on connaît cette phrase, qu'il y a un pont qui est très étroit et qu'il faut passer dessus. Mais il ne faut pas avoir peur. Et que, en fait, s'il y a certains qui pensent dans leur fort intérieur qu'ils sont déjà tombés du pont et qu'ils se sont déjà retrouvés dans la boue, dans des endroits pollués, alors, il nous dit, Rabbi Nathan, il lui dit à son fils, il écrit, noir sur blanc, bien au contraire, ils n'ont assurément plus rien à craindre. En effet, n'est-ce pas que maintenant aussi, je sais qu'il faut attendre, espérer en Dieu et faire appel à lui, au sein même de telles chutes, d'accord? C'est-à-dire, ce qu'il nous explique, Rabbi Nathan, c'est qu'une personne, quand elle chute, alors, elle s'éloigne de la complainte, elle s'éloigne de la prière, elle s'éloigne de la demande à Hachem, alors qu'au contraire, ce qu'il nous dit ici, le verset, il nous dit comme ça. Il nous dit que justement, quand la personne, elle est dans la chute, c'est là où elle doit demander de l'aide à Dieu. C'est comme une personne qui a perdu l'équilibre et que maintenant elle est dans un trou et que maintenant elle est au fond du trou. Et si elle ne demande pas de l'aide, comment on peut l'aider? Comment on peut la faire sortir de cet endroit-là? Et comme il dit le verset dans le Tehillim, que les eaux, elles m'ont submergé. Regardez ce qu'il dit Rabbi David Ameler. Ça rejoint ce qu'on a dit. Regardez le au niveau des émotions, dans quel état il se trouve David Ameler, où il dit que les eaux l'ont submergé sur sa tête et je me crus perdu. Ça veut dire que j'ai tellement été noyé dans l'amertume que j'ai cru que j'étais perdu. Mais des profondeurs de la fosse, j'ai invoqué ton nom, ô mon Dieu. C'est-à-dire que maintenant, on voit que ce verset-là, il nous fait comprendre que quand une personne, elle est par terre complètement, c'est dans cet endroit-là qu'il faut évoquer Dieu et lui demander et d'invoquer le nom de Dieu. Et qu'on voit que aussi dans plusieurs versets du psaume de David Ameler, du roi David,
où il dit qu'il est plongé dans la vase d'un gouffre. Il est complètement dans la vase, pas un pouce de terrain pour y poser le pied. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'endroit, là où il pose son pied, il est dans la vase, il tombe. Et je suis descendu dans les eaux profondes, et les vagues me submergent. Tu m'as plongé dans un gouffre profond et plein de ténèbres dans les abîmes. Regardez comment David Ameller y parle. C'est pour ça que il faut chercher. On est en train de chercher. On a posé la question. Qu'est-ce qu'il y a de si fort dans les Tehillim qui font que, à la fin des temps, quand on est déjà dedans, c'est-à-dire que quand il va y avoir ce déluge de révolte, de colère, d'hérésie, où les gens ils vont perdre complètement confiance en eux, en Dieu, d'accord? Qu'est-ce qui fait que les Tehillim, ils ont un pouvoir qui va tout sauver? On continue à poser cette question et on cherche, ensemble on va chercher. Et notre maître de mémoire béni nous a déjà fait savoir que même un cri qui provient du plus profond de l'enfer n'est jamais perdu. Dès lors, il ne faut jamais désespérer, mais plutôt continuer à crier vers Dieu, car Dieu est grand, et quant à nous, nous ne savons rien. C'est ça la chose. Ça veut dire que maintenant, en fait, si vous voulez le modèle dont il nous parle Rabbi Nathan, avec le message qu'il nous fait passer, c'est qu'en fait, il nous fait montrer comment David Ameller, c'est pas juste de la poésie, c'est des états d'âme dans lesquels David Ameller il était passé. Et pourquoi il était obligé de passer par tous ces états d'âme? On rappelle que c'est l'homme sur terre qui a le plus souffert. Il est passé par des situations terribles, où son fils voulait le tuer, où il a été menacé, où il a été foulé comme quelqu'un qui n'existait pas, etc. Et de tous ces endroits émotionnels, et où il a risqué sa vie, spirituellement, matériellement, sa vie physique, eh ben, il a réussi à sublimer toutes ces situations et à transformer l'enfer de ce monde. Il a réussi à trouver Dieu là-bas et à transformer ça en louange. Et alors, on va continuer. Donc, il nous dit que il faut crier dans ces endroits-là, dans les endroits les plus obscurs. Sache que toutes ces paroles de vérité que je viens de t'écrire fortement, justement, le vrai pont sur lequel tu peux assurer la traversée. Ça veut dire que maintenant, ce pont-là, tout le monde y passe, les amis. Tout le monde. Il n'y a personne sur terre qui passe pas par ce pont étroit. Maintenant, ce qu'il vient de nous dévoiler, Rabbi Nathan, c'est comment arriver à passer ce pont et de le passer, comme on dit, en paix. Ça veut dire que d'arriver, c'est sûr que ça va pas être facile, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des choses pas évidentes, mais Rabbi Nathan, il nous dit comment on fait pour tenir sur ce pont. C'est pas évident. Plus on avance dans le temps, plus les choses, elles deviennent compliquées. C'est pas, le corps, il s'affaiblit, il y a beaucoup de choses qui changent, etc. On va pas rentrer dans les détails, mais chacun pourra se retrouver dans ce qu'on est en train de dire. C'est compliqué. Donc maintenant, on a besoin d'avoir une recette qui a été visionnée par des prophètes et qui nous dit comment se comporter tout simplement. Parce que de toutes les façons, il n'y a personne, même les sages des nations, ils sont d'accord pour dire que le monde, il est plein d'amertume, il est plein de souffrance. Donc maintenant, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait pour traverser? Il nous explique que c'est par le fait que plus je suis bas, et plus là-bas j'évoque le nom de Dieu, c'est-à-dire que je demande à Dieu, je lui demande de m'aider dans ces endroits-là, plus je transforme toute ma vie, toute cette obscurité en lumière. Ça veut dire que je bascule, ça veut dire que ça devient un tremplin où je m'élève très 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 haut. Ah donc, il nous dit que c'est ça la recette, comment vraiment passer et assurer la traversée de ce pont.
même au-dessus d'un abîme, sans fond. Parce que ce pont-là, il est très étroit, mais en dessous, c'est un abîme qui n'a pas de fond. Simplement, l'homme doit se garder de se démoraliser et ne jamais s'effrayer. Voilà, c'est ça les deux points. Pourquoi c'est tout à fait normal que quand il passe sur le pont qui est étroit, ça veut dire que c'est des situations ambiguës. Et à ce moment-là, la première menace qui le guette, c'est la démoralisation. C'est-à-dire qu'il va, il perd confiance. Il est démoralisé, il sait pas comment. Et la deuxième chose après qui arrive, c'est qu'il a peur. C'est-à-dire qu'il a le vertige. Il est dans une situation extrême et là, il a peur. Donc, il faut faire attention à ne pas se démoraliser et ne pas s'effrayer. Mais il nous dit, Rabbi Nathan, il doit avoir confiance en l'ancêtre sublime. L'ancêtre sublime, c'est Rabbi Nachman. Et de s'appuyer sur sa force. C'est quoi sa force? C'est tous les conseils qu'il nous prodigue dans ses livres. Et parce que ce sage, Rabbi Nachman, vénéré, alors il a dévoilé tout cela et aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et enfin, mets en pratique le verset « Espère en l'Éternel ». C'est une prière qu'on fait tous les jours le matin, « Kaveh El Hashem », c'est-à-dire « Espère en l'Éternel ». Et au cas où il arrive encore ce qui arrive, alors accomplis la suite en fin du verset. C'est-à-dire que maintenant le verset il commence à dire « Espère l'Éternel » et maintenant tu vas avoir encore des galères. Ça va être, il arrive ce qu'il arrive entre-temps. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset « Courage, que ton cœur soit ferme ». Ça veut dire que maintenant, d'abord tu espères en l'Éternel. Tu es dans une bonne... comme on dit, t'es bien, tu espères en lui malgré les difficultés. Mais après, tu retombes parce que tu perds encore l'équilibre, t'es effrayé, tu perds confiance, t'es démoralisé. Alors à ce moment-là, il te dit le verset, « Courage, que ton cœur soit ferme. » Oui, encore une troisième fois, « Espère en l'Éternel. » Donc, on voit d'ici que c'est pas dans les... On n'espère pas, hein, on espère justement dans la grande difficulté. C'est là où il faut espérer le plus en l'Éternel. En général, qu'est-ce qui se passe? La démoralisation, elle amène à la tristesse. Et comme on a vu tout à l'heure, la tristesse, elle amène à des pensées de mélancolie, à des pensées négatives qui bloquent la personne. Donc ce qu'il faut, c'est justement dans ces endroits très très éloignés de la conscience, la vraie conscience, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à avoir de visibilité, qu'il faut toujours retourner dans le fait de espérer en Dieu. Et il dit Rabbi Nathan, pour terminer la lettre, il lui dit qu'en fait, cette explication, elle va aussi avec le commentaire de Rashi sur ce verset. C'est-à-dire que le commentaire qu'il a dit Rabbi Nathan, ils se font bien avec le commentaire de Rashi. Alors, on a posé une question tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ces Tehillim? Pourquoi les Tehillim, ils ont une telle force? Et pourquoi c'est ça qui va sauver l'humanité entière? Alors, le Rav Besançon, que Dieu lui donne la santé, il a ce Shabbat, il m'a raconté, on est en contact, il m'a raconté ce qu'il a dit le Shabbat. Il a parlé d'un Midrash qui écrit que quand David Améler, le roi David, il a écrit les psaumes, Dieu, il a dit, j'ai un problème avec tes psaumes. Parce que si ces psaumes-là, ils sont lus par des humains, par les gens qui vont les lire, ça va ressusciter les morts. Et j'ai un problème, parce que on n'est pas encore on doit passer encore, avant la résurrection, il y a encore beaucoup de passages à faire, etc. Donc j'ai un problème. Je peux pas mettre ce livre, tu peux pas l'imprimer, tu peux pas divulguer ces psaumes, parce que s'ils vont arriver chez les gens, ça va complètement les refaire revivre. Même un mort, il peut revivre si on les dit dans l'ordre. Alors qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Ce qu'on va faire, c'est que tu vas, oui, les imprimer, mais tu vas mélanger l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Ça veut dire qu'en vérité, il a dit le Rav Besançon que quand il a mélangé l'ordre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le même effet que s'ils étaient dans l'ordre. Mais,
En vérité, il y a cette substance, il y a cette lumière. Il y a cette lumière, c'est une lumière de vie qui fait ressusciter la personne. Quand une personne se trouve dans une situation obscure et qu'elle lit le Tehillim, alors le Tehillim, je ne sais pas comment ça marche, c'est quelque chose de magique, mais il va rentrer tout simplement dans sa vie et il va commencer à éclairer sa vie. Il va changer les choses, il va enlever cette obscurité. C'est ça qui va se passer. Pourquoi ? Parce que maintenant, c'est vrai que il n'a pas le même effet que s'il avait été créé dans l'ordre, mais c'était la volonté de Dieu. Dieu, il a décidé de mélanger ces psaumes. Donc ça veut dire que maintenant, si on essaie de réfléchir, c'est que dans les psaumes de David Ameller, si vous voulez, à partir du moment où il a exploré toutes les situations possibles et imaginables où pourrait la personne se décourager, c'est-à-dire dans des cas très extrêmes, la maladie, où on poursuit une personne pour le tuer, le fait de le dénigrer, alors que qui doit être roi d'Israël, tout ça, tous ces événements, David Ameller, il a éclairé toutes ces situations. Et maintenant, quand nous, on va lire le Tehillim, on va devoir se reconnaître, si vous voulez, dans une émotion ou dans un verset où on va reconnaître notre émotion dans laquelle on se trouve maintenant au présent par rapport à un problème dans lequel on est. Et si on arrive à se reconnaître, c'est facile, hein, vous savez, quand je dis c'est facile, c'est que si vous prenez un psaume et que vous le lisez et que vous essayez de vous attarder un petit peu sur la traduction et que vous cherchez un petit peu dans la traduction, vous allez tout de suite reconnaître des états émotionnels peut-être que ça va être dans lequel vous vous trouvez maintenant. Et dans ce cas-là, vous allez voir comment David Ameller, il a transformé cet état en louange et il a amené la lumière. Et donc c'est ça qui va, Rabbi Nachman, avec l'histoire qu'on a racontée la semaine dernière. En fait, on peut dire que ce qu'on a dit ce soir, c'est la suite de ce dont on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire l'histoire du roi. Et qu'est-ce que ça veut dire que les simples diseurs de Tehillim, ils vont pouvoir couronner le roi, le Messie. Il y a aussi une chose que je voudrais rajouter, c'est que dans le ciel, si vous voulez, quand une personne, elle dit le Tehillim, il a un double effet. C'est de la prière et c'est de l'étude. C'est dit, les sages, ils disent que la lecture des Tehillim, elle est comme si qu'une personne, quand elle lit des Tehillim, elle a étudié les endroits les plus difficiles au niveau raisonnement de la Torah, des traités de Mishnah qui sont très 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 compliqués et qui sont pas compréhensibles. Mais quand une personne elle lit des Tehillim, elle est à ce niveau-là de compréhension. Et encore une autre histoire très importante, c'est que Rabbi Israël, le Baal HaPetek, celui qui a reçu la lettre de Rabbi Nachman, on avait fait un cours là-dessus. On savait que c'était quelqu'un qui faisait des Tehillim, comme chaque un juif simple qui se respecte, voilà, il sait que là-bas, ce qu'il va recevoir. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout à l'heure, on l'a dit, mais il faut appuyer sur ce point-là, c'est important, c'est qu'en fait, le fait de dire des Tehillim, même si on ne les dit pas dans l'ordre et que c'est voulu par Dieu, mais à l'intérieur, il y a une empreinte de cette chose qui fait revivre la personne. Rabbi Israël, c'était quelqu'un, on l'a entendu, de gens qui étaient très proches de lui et qui l'ont vu. Il faisait 8 heures de Tehillim par jour. D'accord ? Peut-être une période de sa vie, mais en tout cas, pour faire 8 heures de Tehillim par jour, il faut être un homme très 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 simple. C'est-à-dire qu'il faut aller, c'est carrément partir, comme on dit, allez, je vais tailler de la, d'accord, je vais faire un travail, c'est vraiment un travail simple. Et maintenant, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'un Rabbi Israël, après, quand il ouvrait un livre d'études, il comprenait tout. Après ces 8 heures de Tehillim. Donc, toutes ces histoires dont on a parlé avec le Baal Shem Tov, toutes les histoires sur le Tehillim, c'est pour nous donner une direction, les amis. De savoir que dans les Tehillim, il y a quelque chose de secret
et qu'il faut aller le fréquenter. Il faut fréquenter David Ameller. Il faut devenir ami avec David Ameller. Il faut prendre son livre et le lire. Voilà, le lire tout simplement avec la plus grande simplicité. Plus on va être simple, plus cette énergie, cette chose qui va faire revivre. N'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure, que le Midrash, Dieu, il a eu un problème. Il a dit à David Ameller, tu peux pas imprimer ton livre. Tu peux pas le divulguer. Parce que si tu le divulgues dans cet ordre, n'importe qui pourra revivre. Même un monde, il pourra se relever de ça. Mais le fait qu'il a mélangé cet ordre, il y a cette chose-là qui est à l'intérieur. Et à nous tous de chercher dans cette direction. C'est pas maintenant que je vais faire 8 heures de Tehillim, mais de commencer à fréquenter et de commencer à me familiariser avec les Tehillim. Vous allez par exemple au Kotel, que ce soit chez les hommes ou chez les dames, peu importe, ceux qui ont le livre de Tehillim, je peux vous dire que vous allez les revoir même 10 ans après, ils sont toujours devant le Kotel avec les Tehillim parce que ils savent ce qu'ils reçoivent. Il y a quelque chose de très très fort là-bas. Et il faut aller dans ce sens, Bezrat Hashem. Et que grâce à la lecture des Tehillim, qu'on puisse avoir le mérite d'être des simples diseurs de Tehillim. Et que par ce mérite, qu'on fasse partie de ceux qui vont couronner le roi Mashiach, le Messie, à Jérusalem. Voilà les amis, ce qu'on aura pu dire pour ce soir. Merci beaucoup. Voilà. C'est pour ça que le Tikkun HaKlali, c'est spécial, parce qu'il y a un ordre particulier. Exactement. Le Tikkun HaKlali, c'est une très bonne remarque. En fait, c'est marqué que tous les tzadikim des générations précédentes, avant Rabbi Nachman, ont cherché ce secret qui est le Tikkun HaKlali. C'est-à-dire, c'était les 10 sortes de mélodies que par ces mélodies-là, on allait réparer les 10 sortes de poisons. Quand une personne, elle est dans la déroute, qu'elle fait une erreur, qu'elle fait une mauvaise action, automatiquement, elle va être atteinte d'un poison. D'un poison, c'est quoi ce poison? C'est que il va ressentir en lui de la tristesse. Cette tristesse, elle vient tout simplement de l'erreur qui, en vérité, a fait un voile. Il a l'impression qu'il reçoit plus la lumière de Dieu. En vérité, Dieu continue à lui donner cette lumière. Mais cette erreur, elle lui permet pas de recevoir la lumière de Dieu. Alors, maintenant, donc ça veut dire que, on avait expliqué aussi c'est quoi les 10 mélodies du Tikkun HaKlali. Elles correspondent aux 10 points, aux pouls. On a 10 points vitaux dans le corps, d'accord? On en connaît ici quand on met les mains, quand on met le pouce sur ici en bas du poignet, mais il y en a 10 dans le corps. Et en fait, il explique que à partir du moment où, si vous voulez, la personne elle s'est écartée, automatiquement, et c'est tout le monde, hein, c'est toute l'humanité, automatiquement, il a été atteint par 10 flèches empoisonnées. Ces flèches empoisonnées, c'est quoi? C'est qu'il est paralysé par la mélancolie, par la tristesse, par des mauvaises pensées. C'est aussi toute l'humanité. Si on veut aller un peu plus loin, c'est tout simplement la résultante de ce déluge d'hérésie. C'est-à-dire que tout ce qui va réfléchir, il n'arrive pas à s'en sortir. Il n'arrive pas à arriver dans sa réflexion à quelque chose qui va se construire, qui va aller vers le bien. Il va toujours aller tomber vers la mélancolie, etc. Il va être bon. Alors donc ça c'est des 10 flèches empoisonnées. Et maintenant les tzadikim, ils ont cherché pendant toutes les générations cet ordre de ces 10 remèdes qui vont prendre la flèche qui est venue avec le poison et qui vont enlever la flèche et le poison. Et ça s'appelle la réparation universelle qui s'appelle le Tikkun HaKlali, que Rabbi Nachman, lui, il a trouvé. C'est pour ça qu'après, il a promis tout celui qui viendrait chez lui, qui dirait le Tikkun HaKlali, il a fait une promesse, qu'il a fait la promesse parce qu'il a trouvé cette chose-là dans l'ordre. Ça, c'est le Tikkun HaKlali. Mais, si vous voulez, le Tehillim,
si vous voulez, c'est une fréquentation de cette, de cette, de cette, de cette, de ce qui fait, de ce qui fait ressusciter. On a parlé de triatametim dans ce midrash. C'est-à-dire que Hachem, il pouvait pas laisser tous ces poèmes dans cet ordre parce qu'ils allaient complètement faire revivre tout le monde. Donc il a brouillé les cartes, mais il y a dedans cette chose-là. Et Rabbi Nachman, il a, si vous voulez, il a amené un remède universel parce que il a trouvé ce remède parce que c'est la maladie dans laquelle tout le monde est tombé depuis déjà des générations, mais que maintenant il faut quelque chose, c'est fini. C'est-à-dire que ça s'est tellement écarté qu'il faut un truc sublime, et Rabbi Nachman, il l'a amené. Vous comprenez? Ça, c'est le Tikkun HaKlali. Mais ça vient du Tehilim, et il y a le Tehilim et il y a le Tikkun HaKlali. Vous comprenez? C'est pas quelque chose, un qui remplace l'autre. Oui, il faut les deux. Il faut les deux. La première fois que j'ai lu Tikkun HaKlali, il y a plus de 20 ans maintenant, la première fois que je l'ai lu, les larmes coulaient tout seuls. Ça coulait. C'est incroyable. Je vais vous raconter une histoire, Abraham, pour aller dans votre sens. Vous avez terminé, excusez-moi, je vous ai coupé. Allez-y. Non, mais vous vouliez continuer à dire. Au début, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, ça coulait, ça n'arrêtait pas de couler. Incroyable. Alors, regardez cette histoire-là, je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire. Il y a 12 ans de ça, je suis parti avec un ami en Thaïlande. Pour diffuser, il y a beaucoup d'Israéliens qui tournent là-bas, à peu près 60 000 Israéliens qui tournent dans toute l'année comme ça. Donc on fait beaucoup de rencontres. Et on était à Bangkok et on a essayé de se voir s'il y avait peut-être des prisonniers dans la prison de Bangkok. Donc on a voulu rentrer. Maintenant c'était un rêve parce que rentrer dans une prison de Bangkok, c'est d'abord on est des Israéliens. Qu'est-ce qu'on vient faire? On est des étrangers. On a quand même été, grâce à mon ami Doron Stern, qui m'a dit, viens, on essaye, qu'est-ce qu'on perd? On va, on demande, si on nous refoule, c'est pas grave, on aura essayé. Je lui dis, bon, alors viens, on essaye. Et grâce à cette, vous voyez, c'est comme quand on avait étudié la princesse disparue. Toujours, il recommençait à chaque fois. Encore, je vais essayer comme ça. Alors il a essayé et ça a marché. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On arrive à la prison, on a demandé, il parlait en anglais, on est des Israéliens, on voudrait savoir, on sait qu'il y a 3 Juifs qui sont ici, on voudrait leur rendre visite. Alors ils nous ont fait attendre et puis il y a une dame petite, maigre, une Thaïlandaise, petite et maigre comme ça, qui était la directrice de toute la prison. Et mon copain, il lui a expliqué qu'on voudrait rentrer voir les prisonniers. Et elle nous a fait des papiers, tac, tac, en 5 minutes, on s'est retrouvé dans la prison à l'intérieur, et on a visité les 3 prisonniers. On a eu un miracle, je sais pas comment ça s'est passé, mais voilà. On a essayé, ça a marché. Et on est tombé sur un monsieur, qui a eu un problème, qui a été attrapé avec de la drogue, etc. Et que là-bas, c'est très grave. Et donc, ils l'ont mis dans une pièce, pendant un mois, avec 60 personnes, en attendant après d'être avec 2-3 personnes dans une cellule, mais pendant 60 personnes dans une pièce, et au milieu, avec le respect que je vous dois, un endroit pour faire ses besoins. Mais tout le monde était ensemble. Dès qu'il a commencé à se retrouver dans cette situation, il avait des mauvaises pensées, il dit « je pourrais pas tenir ». Il est tombé dans une angoisse, il a dit « je préfère mourir que de rester dans un truc comme ça ». Il avait personne avec qui parler. Personne, ni avocat, ni rien du tout. Il était complètement... C'était un Israélien jeté en Thaïlande. Ce qui lui restait dans sa poche, il ne sait pas comment, parce qu'on lui avait tout pris, c'était un petit Tikkun HaKlali. Il ne savait pas ce que c'était. Il l'a ouvert. Il était dans cette cellule avec 60 personnes. On peut dire que c'est vraiment les bas-fonds. Hein. Il y a pas, c'est vraiment très... C'est les bas-fonds. Et il a commencé à lire sans savoir ce qu'il lisait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit, ce bonhomme? Il me dit, ça fait 2 ans que tous les jours je lis ça en chantant et je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, si je vis depuis 2 ans ici, c'est grâce à ce Tikkun HaKlali. Voilà, c'est pour vous dire que, pour aller dans votre sens, que vous dites que quand vous l'avez dit il y a 20 ans, vous avez commencé à pleurer. C'est quelque chose qui afflue, qui traite des zones très 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 profondes en nous,
Et bien sûr que ça c'est le Tikkun HaKlali, et c'est la même chose dans le Tehillim. Voilà les amis, Bezrat Hashem, que ça puisse nous donner un peu d'inspiration pour ouvrir ce livre et de fréquenter David HaMelech, de transformer toutes les situations difficiles, de les transformer en tremplin et de trouver Dieu là-bas, partout là où il est. Justement, parce que dans les situations les plus difficiles, il nous dit, Rabbi Nathan et David HaMelech, que c'est dans ces situations-là qu'il faut se renforcer en Hachem et de lui demander de l'aide là-bas. C'est là-bas qu'on, c'est comme ça qu'on, c'est ça, si vous voulez, toute l'essence de Tehilim, de transformer la chose complètement en louange. Voilà les amis. Merci, Rabbi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Bezrat Hashem. Et je vous dis alors à la semaine prochaine, en bonne santé, Amen. Et à vous tous, Bezrat Hashem. À très bientôt.